Yop, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Matt et Greg. Donc, on est sous Minux et je vais tourner l'épisode 14. Donc, il y a eu pas mal de changements par rapport à ma dernière vidéo. Donc, je vais expliquer tout ça au fur et à mesure dans cette vidéo. Ouais, il est peu avec moi cette fois. Donc, premièrement, en fait, on n'est plus dans la faction Monster Z. Parce que, en fait, il s'est passé plein de vols et tout ça dans la faction. Et puis, ça m'a tellement saoulé. Donc, j'ai décidé de refaire une autre fac avec de ceux en qui j'ai confiance. Ouais. Vraiment confiance. À moi. Peut-être que Matt y sera plus tard. Donc pour l'instant, il y a moi et Greg et tout ça. Qui étaient dans Juste l'ancienne faction. Et puis d'autres qui n'étaient encore pas là. Mais que je connais très bien. Voilà. Donc, aussi la faction, l'autre faction, voilà, après on avait fusionné nos facs avec la Irality et tout ça. Sauf que, ouais, il y avait toujours des vols chaque fois dans la faction. Donc, ça m'a tellement saoulé. Donc, voilà, j'ai fait cette faction-là. Donc, pour l'instant, y a pas de F-Home. Mais en fait, c'est notre home. C'est un peu bizarre vu qu'en fait, c'est notre home et il est Clem. Parce que, en fait, aussi, j'avais oublié de vous le dire. Mais le home que j'avais dans ma dernière vidéo, là, sous terre, et tout ça, qui a plein de P4 dedans, en fait, il s'est fait piller. Donc, je pense par un X-Rayer, donc voilà. Donc, maintenant, Greg, je me TP à toi pour montrer notre home. Donc, je fais un home avec Greg. Donc, je fais tout simplement pas slash home. Parce que mon home, il est à la base des Tipiak et Elixir que je vais aller montrer après. Voilà. Donc, après, je vais remettre mon set home ici. Donc, ici, c'est notre home. Donc, premier étage. Ici, c'est les coffres anti-blast. Ils sont un peu durs à ouvrir, mais. On peut les blast, mais c'est vraiment dur. Donc, ici, coffre à fiole d'XP. Donc, j'ai un double coffre. Plus encore un peu ici. Non, ici. Voilà. Ensuite, ici, c'est le coffre à outils. Il y a les pioches, tout ça. Ensuite, ici, là, c'est les coffres AP3. Je vais montrer quelques-uns. Voilà, AP3. AP3. Tout ça. Ta gueule ou je t'ignore? Ensuite, ici, les coffres à T5, T4, T3 et les arcs. Donc, tout en haut. Voilà, c'est que des T5. HT5 et tout ça. Ici, c'est les T4. Ici, les arcs et les T3. Voilà, c'est ici. Ensuite, ici, là, les coffres à P4. Je vais montrer vite fait. Donc, P4. Ici, là, il y a des trous parce que c'est l'armure que j'ai sur moi. Donc, tout P4. Encore tout du P4. Tout du P4. Et je crois que j'ai pas ouvert le coffre du haut. Voilà. Encore du P4. Que je sais pas si on est le plus riche de Minux, mais en tout cas, on est riche. Oui, mais si, mais si. Il manquerait moi pour être le plus riche, c'est ça. Mais oui. Encore du P4, par-ci par-là. Voilà. Donc, ensuite, ici, là, c'est des coffres, comme ça, vite fait, pour les pillages qu'on a là, et après, on triera. Donc, ensuite, deuxième étage, tout ça, c'est les potions, donc, double coffre de potions régène et tout ça. Comme ça, pour le PVP, on vient juste se reprendre des potions et changer d'armure, ça les casser. C'est beaucoup plus vite, il n'y a pas besoin d'en faire à chaque fois. Ensuite, ici, là, les instants de damage, un grain de potion. Ici et ici. Bouffe Moi et tout j'ai dû ça. me tuer, j'ai été beau. Ici là, les coffres d'en haut, c'est encore pour les coffres de pillage. Parce qu'en ce moment, on fait pas mal de pillage. Bon, c'est des petites factions, mais voilà. C'est mieux que rien. Ensuite, troisième étage, je le présente déjà, même qu'il n'est pas tout à fait fini.
Manque max. Donc les enclumes en haut là, je pensais faire derrière les enclumes. Je vais juste bondir, ouais. Aussi au passage, je me suis acheté bondissant, c'est très utile. Donc ici là, je pense que je vais faire quelques plantations, Nether Wart et tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, on va plus en avoir. Comme ça, on sera sûr de ne pas en manquer. Donc ici encore des coffres anti-blast, donc canne à sucre, je vais montrer vite fait, pas tous, mais voilà, sable, canne à sucre. Oupsi, TNT, tout ça. Après là, dans les autres coffres, c'est les livres. Voilà. Pomme cheat et tout ça. Et aussi, on a trouvé le biome. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais c'est le biome où il y a de la puzzle. Qu'on a récupéré un stack. Je pense que je vais Oh putain! faire quelques trucs avec la déco avec. Brice. Quoi? Il y a Monsieur Panda, il m'a donné une charte 3 qui n'a pas bague 2. Sérieux? Ouais, je te jure. Je te la donne. T'es paiement rien. Non, mais garde-la. Je vais rien faire avec ce compte. C'est con. Document home, comme je disais, c'est la Tipiak. La base des Tipiak. Voilà. Oh, il y a les flammes des démons. Donc, on est venu les faire chier avant. Donc, hop, Tipiak accepte. Donc, en gros, ils faisaient leur Nordo. Et nous, pour les faire chier. Depuis ici, je bondis là-bas. Voilà, et puis pour les faire chier, on blastait et tout ça. Oh, Greg Ace Pro. Oui, je vois, je souffle. Ah, c'est la passe. Moi, j'ai pas de popo. J'ai une T5 recul 2. Charte 3. Greg, tu veux une charte 3? Non, Genre, il a déco ou il s'est TP? il est mort. Il a déco X-Pro PP, donc voilà un noob en direct. Tu mettras sur le site Minox. What? Je crois qu'il y a des mecs en invie en plus. Derrière toi, il y a un mec. C'est où elle? J'espère qu'il n'y a pas de la terre Mais si tu par peux terre. m'en je vais te donner un Ah, c'est mon charton. psycho. Je vais prendre une popo et je vais le mettre. Donc aussi. Ouais, on a fait un peu de la merde, donc on avait pété leur truc en cobble là, à quelques endroits. Donc après, ils ont rebouché. Lui, on va accepter, c'est un abonné. Merde, je peux pas accepter. Donc j'avais fait chier, j'avais commencé à péter leur truc, mais après, ils ont rebouché et tout ça. Hop, TP accepte. Aussi, je sais pas pourquoi, mais. En fait, je sais pas si c'est un bug, mais en fait, quand je suis en extrême, j'ai plus d'FPS que quand je suis en tiny. Quand je suis au tiny, j'ai autour des 20, 25. Et en extrême, j'ai autour des 30, 40. Donc, je sais pas si c'est un bug, mais voilà. Ah oui, il y a aussi notre base là, enfin, notre home en fait, que j'ai montré juste avant. Et ben, il y a Loïc et tout ça, ils ont essayé d'assaut. Après, je sais pas s'ils ont arrêté, mais en tout cas, ils ont une clem donc. On a profité pour faire encore plus de clem qu'on a on en a fait par 49. Donc aussi ce vendredi il y avait eu des recrutements modo guide et tout ça. Donc moi j'avais fait une demande pour devenir partenaire avec Minux et puis ils m'ont accepté. Donc en gros les avantages que je peux avoir c'est en fait je peux choisir soit qu'ils mettent une de mes vidéos pendant 2 semaines sous le site, ou soit je peux faire un concours pour mes abonnés. Donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir, mais voilà. Donc comme nouveau modo, il y a eu encore 21. Encore 21 qui s'écrit comme ça. Ensuite, Tiki-Tak, qui était modo avant, il est passé modérateur ou administrateur. Je sais pas trop, mais bon. Il est passé dans le grade un peu plus haut. Voilà. Comme guide, il y a eu plein de guides. Je vais pas dire tous leurs pseudos, vu que. D'ailleurs, je sais même pas comment ils sont, mais. En tout cas, ils sont beaucoup. Voilà, donc il y a la base des. Fmap on. Il y a la base des Tipiak ici. Et là-bas, je vais y aller. Il y a la base des élixirs normalement.
je crois qu'ils sont en train de faire champi. Ouh, j'ai des gros bugs de chunk. Y a plein de mecs, hein. C'est toi qui es tout en bas du lion d'eau? Oui. Alors moi je suis en haut TP, toi. Y a un mec sur le sur tiens, avec des flèches. Y a des mecs avec des arcs. Voilà, bon dip, tu me dis B. Ouais, attends, je viens de le Y a des faire. mecs là où il est P. C'est qui ça? C'est Bluetix. Il a sauté en bas. Derrière moi. Attends, y a un mec avec l'arc qui m'a fait tomber. Bah, j'attends mon prochain bondissant. Bon, bref, petite ellipse. On va continuer un peu de les faire chier. C'est toi là qui est en bas? Je suis en train de monter. Ah mais non, c'est notre allié. Donc on va continuer un peu de les faire chier comme ça. On va faire un petit peu de champi et tout ça, même qu'on compte pas vraiment les pieds vu que ça va beaucoup trop long pour faire. Pour piller la base là avec champi, ça va plusieurs semaines. Et puis après encore quand déco ils viennent péter, donc c'est quasiment impossible de les piller. Donc voilà, donc on va les faire chier à faire champi et tout ça pendant qu'ils font leur merdo. Donc nous je fais une petite ellipse et on se retrouve soit pour du PVP, du pillage ou autre chose. Donc petite ellipse. Voilà, donc on se retrouve un tout petit peu plus tard. Donc en fait ce qui s'est passé avec la TPA, bon, ils faisaient leur merdo, on a continué un peu à les faire chier, blast et tout ça. Après, il y avait moi et Greg, bon, on était les deux seuls P4. Ensuite, au bout d'un moment, je crois qu'ils se sont énervés et ils sont venus au moins 10, ils sont venus au moins 10 personnes P4 contre moi et Greg, donc nous on a été dans l'eau et tout ça. Et c'était épique le PvP, mais dommage que j'ai pas pu filmer parce que mon frappe s'il n'était pas activé, et puis si je réactivais en combat, j'aurais crash, donc vraiment dommage. Mais en gros, ils étaient tous P4 et tout ça. Bon, on a kill personne vu que c'était vraiment trop, mais on a réussi à péter un peu leur armure et tout ça. Après, on a réussi à se barrer. Mon armure, il restait plus que 9 de durabilité sur le casque et tout ça. En plus, c'était un P4 Breaking 3. Donc, il y a aussi grande dédicace à Negasi. Que juste voir dans quelle faction il est. Dans la Sky Beach. Donc, il y a aussi Ojni et Léo Candela qui sont des très bons potes. Donc, Negasi, grande dédicace à lui parce que il vient de m'offrir 64 blocs d'or, 8 diamants et 2 pommes cheat. Et aussi, avant, il vient de m'offrir un full P4 et T5. Donc, je sais pas, en plus, je lui ai rien demandé. Il m'offre des choses comme ça, c'est assez sympa de sa part. Tiens, j'ai mes kits à faire. Donc, je vais juste faire la quête. Je crois que c'est la journée journalière 8. Qui est-ce? Je dois monter en haut de la Warzone. Donc, j'avais déjà monté avant. Voilà. Il faut juste que je trouve à peu près où c'est. Pour que la quête, elle soit finie. Je crois que c'est par là. Attendez. Je sais qu'il faut marcher un peu par là. Et au bout d'un moment, ça nous donnait l'XP. Ça veut dire qu'on a fait la quête. C'est bien celle-là. Ouais. Monte sur l'île. Sur la montagne en Warzone. Bizarre, bizarre. Ouais, je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc, j'ai remis mon home à l'endroit. Voilà. Donc, juste. Voilà, les coffres à P4, ils sont un peu en désordre. Parce que on a PvP tout le temps P4 cet après-midi. Voilà. Il faut que je trouve mon casque. Et le plastron. Ouais, je crois que j'avais. Le casque là il restait de 35 durabilité et tout ça. Donc on a vraiment pépé très longtemps. Donc au bout d'un moment on était obligé de fuir vu que déjà on était que deux contre plein de personnes. Et puis mon armure elle allait casser sinon moi je serais resté. Hein.
En plus, je crois que j'ai même dû faire mon repair en combat. Voilà. Hop, on va juste aller ranger ça et faire un peu mes kits. Comme ça, on va en profiter pour faire quelques enchantes. Ah oui, aussi, j'ai oublié de le dire, mais il y a aussi Sifli qui est passé modo. Alors, bloc, minerai. Voilà. Voilà, alors, kit XP. Lag. Petit lag. Donc, on va se mettre level 30. Donc, que l'XP là, elle tire vite et des fois pas vite. C'est parce que là, ça lag un peu. Donc, à ce qui paraît, Manux, si on change d'hébergeur, parce que il y a un problème avec un plugin ou je sais pas quoi, et puis ça lag assez souvent, comme ça vous pouvez voir. Il y a plein de rollback et tout ça. Aussi, c'est bien parce qu'il y a plein d'anciens qui reviennent sur Manus, comme Toxic Killer et tout ça. Julien et tout ça. C'est cool. Allez. On va vite se faire un petit level 30. Voilà. Alors, kit diamant. On va enchanter des casques. C'est ce qu'on a le moins. Spawn. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Manux, les kits là, ils sont achetables sur la boutique de Manux. Donc, le lien sera dans la description. Hop. Alors, est-ce qu'on va avoir un bon enchant? Non, en fait, on a eu de la merde. Ou quoi que, je pourrais peut-être garder pour fusionner sur un casque P4, comme ça fait P4, Breaking 3, Respiration 3. Donc je vais quand même le garder. Et on va regarder si on peut fusionner tout ça. Ça lag vraiment trop. Donc ça vient pas de ma connexion. C'est Manux, mais ils vont régler ces lags, il faut pas s'inquiéter. Ouais, ça l'a mis vraiment trop. Alors, on va vite fait, pendant que ça lague un peu moins, d'aller chercher un casque P4, voir si on peut fusionner. C'est bizarre parce que juste avant que je fumais, ça laguait pas. P4. Voilà. Qu'est-ce que P4? Soit ça va être trop cher, ou soit ça va coûter autour des level 40, je pense. Hop, alors. On va tester déjà dans le sens là. Voilà, trop cher. Et dans l'autre sens. Non. Dans l'autre sens. Trop cher aussi. Donc voilà. On va ajouter. Voilà, donc ça lag vraiment trop. Donc encore petite ellipse, désolé. Ces deux casques qui se sont jetés. Voilà. Donc petite ellipse et puis on va sûrement se retrouver pour du PVP. Donc cette fois j'essaierai d'avoir tout le temps Fraps d'enclencher sur le bureau comme ça. Juste à faire F9 et puis comme ça va filmer. Voilà donc petite ellipse et on se retrouve pour du PVP sûrement. Voilà donc on se retrouve pour le petit PVP comme promis. Donc on va aller PVP en compagnie de Minecube. Donc je suis P4, on break 3. Ah
Donc voilà, il y a Loulou et donc on va focus Loulou. Ok. En plus c'est encore Marc Francon. Ok, donc ils font les techniques de noob avec les arcs. Stop going, wanna see the top plan for the moment, frozen.
chosen, close to the front of dream that they never want me to see. Up blowing up, motherfucker, take action. Fast lane living, I'ma blow past them. Been swagging, y'all old fashioned. Nah, fuck that, I'm not every other rapper in the game right now, in a lane right now. Am I sane right now? Motherfucking no. Did you ever do it on your own? No faith, just hate all alone. It's like Novocaine sometimes. The way they never feel me, eyes and mind upon the prize, and that's how it forever will be. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it safe. On a breath that she telling me to leave, saying shit is getting better, but she don't believe, saying baby stay, I need you like the air that I breathe, screaming I ain't seen nobody else, you everything I need. Yeah, okay, I guess I said that all before, but that welcome meant me nothing if you walk out of that door. Who I'ma be without you, to be honest, I ain't sure. Maybe so you won't forget, probably go take over the world. She said, yeah, okay, have fun controlling up your next bitch. I get all my advice from girls who never had relationships, so I'll just take the best I ever had and go and wreck the shit. Let's say that hope floats, so I'm about to go and sink the ship, cause it felt like I was trying to bend it out in a hurricane, trying to rekindle a fire doused in an infinite rain. Felt like the kid had been drowned and lifted in spite of the pain. Cause no one prepared for the bird that rose from the ash and the flames. They come and they go and we try not to show, but they know we ain't able to go. They hide while you seem to get old. What's wrong? Thinking what do I mean? Where do I turn from this? What do I learn from this? What do I earn? So like a phoenix, like a phoenix, rise from the burns. Knowing I gotta make a change, knowing I can't live this way. I made my own scars gray, so I had to make the change. Self couldn't face me, your new men couldn't trace me, and no alcohol could erase me, cause I'm about to be seen everywhere. On your TV, I'll be there, have my face up in Times Square, and vacation like that ain't fair. I'm sorry, seriously, I'm sorry. Gonna have to watch my life, cause you chose to go and leave the story. Cause I rip beats like I uprooted, I hit goals like Beckham shooting, I make hits like no one doing ass shit plates, it's a big movement, yeah. Pedal down and I'm cruising, middle fingers up to the ones who still think that we're losing. To be more honest than Armstrong, I'm doper than the shit he on. Running tracks like that Tour de France, give me that medal, then the kid's gone. Yeah, and I hope you're flipping out, cause now the kid you used to know is what girls flipping about. Hitting stages, asking ages, yeah, that's where we're headed now. When you realize where my name is, just know why you're missing out.
Voilà, donc on se retrouve pour la dernière séquence de cette vidéo. Donc j'espère que cet épisode il vous aura plu. Donc il y a eu un peu de PP, présentation du home et FHOM. Enfin plutôt le home, vu que c'est le FHOM en même temps. Donc voilà. Donc aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chacune de mes vidéos quasiment, j'avais plus la même base parce que soit je me faisais trahir, ou soit je me faisais voler, et tout ça. Ou soit je me faisais piller ou surclame ou des choses comme ça. Donc à partir de maintenant, je pense plus que ça va arriver. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Donc à partir de maintenant, je pense plus que ça va arriver. Parce que dans la fac, on sera quasiment jamais en sport, je pense. Vu que à partir de maintenant, on peut tout le temps P4. Et aussi, on se fera pas trahir, ça c'est quasiment sûr. Donc juste montrer les anti-use bugs. Donc voilà, donc les anti-use bugs ils sont à peu près d'une vingtaine de hauteur. Ceux du bas. Donc là c'est en gros c'est la base, elle est entourée d'un cube de cobble. Et quand on sort, on peut voir MC Zino la merde qu'il a fait. Petit lag. Ok, la cobble elle est tombée en bas. C'est pas grave, j'irai la chercher après. Voilà, Loïc 57 et MC Zino. Là, je sais pas à quoi ils se sont amusés à faire, mais en gros, ils ont fait de la merde. Et ici, là, c'était l'ancienne base de Xavier 25-2000. On va bondir. Donc, ils se sont aussi amusés à la péter. Donc, gros petit kikou. Dommage que je peux pas blast. Ouais, donc je pense que. Voilà, donc aussi, c'était totalement con ce que je faisais avant. Je faisais des homes non clem. Donc n'importe qui il pouvait X-ray. Voilà, donc non clem ils sont jusque là. Donc n'importe qui il pouvait X-ray et tout prendre. Il n'y avait aucun P4 qui était en sécurité. Donc à partir de maintenant, tous mes P4 ils seront dans la base. Voilà, donc maintenant c'est sûr, ils sont sécurisés. Parce que avant qu'ils arrivent à nous piller, il faut faire champi, tout ça, ou canon hybride, mais ça c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai testé en solo canon hybride et ça fonctionnait. Canon hybride, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à piller des bases qui ont des murs d'eau comme ça. Et en gros, la TNT, quand elle est dans de l'eau, elle peut pas. Quand elle explose, ça casse rien. Et canon hybride sert à ce qu'il y a du sable. Que quand on tire le sable, il arrive dans la TNT. Et comme ça se casse. Comme ça peut casser les choses. Mais bon, en solo, j'arrive à le faire. Et ouais, j'arrive à le faire. Mais en multijoueur, j'ai testé. Avec les mêmes délais de repeater et tout ça. Et puis ça fonctionne pas. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est le serveur ou. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et aussi à vous abonner si vous aimez ma chaîne et tout ça. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.